Savez-vous quel est le plus ancien alcool connu Il s'agit de la bière, qui existe au moins depuis 13 000 ans, en faisant globalement une des plus anciennes boissons du monde, découverte dans la caverne de Rakefet au sud d'Haïfa. C'est la plus ancienne trace de production d'alcool au monde connu, et c'est un alcool qui était globalement du coup assez proche de la bière, même si évidemment, assez différent, notamment moins, bien, moins fermenté que la bière actuelle, mais c'était en tout cas de ça qu'elle se rapproche le plus. C'est un site qui, est, euh, du coup, qui a été fouillé, c'est une ancienne sépulture euh, des hommes et des femmes de Natufia et une des qui est un des premiers groupes sédentaires qui a vécu là entre 12 500 et 10 000 ans avant notre ère, à une époque où globalement, même si c'était du semi-sédentaire, c'est encore une totale sédentarisation, et ils utilisaient des céréales sauvages, puisque la culture ne s'était pas encore développée. Mais il est possible d'ailleurs que le développement de la culture de certaines céréales avait pour but la fabrication de la bière. Et que donc la bière aurait été une des raisons de l'invention de l'agriculture. Dans cette grotte, les chercheurs ont trouvé trois petits mortiers creusés dans la roche, 40 à 60 cm de profondeur. Deux d'entre eux servaient à stocker le grain euh, de l'épeautre et de l'orge le troisième à le faire fermenter. Cette bière se servait alors sans le titre pour des cérémonies et le vin de son côté, lui, serait apparu il y a à peu près 8000 ans dans le Caucase. Évidemment, que ce soit pour ces bières-là ou pour ce vin-là, il n'avait évidemment pas du tout le goût. Qu'ils ont aujourd'hui. Mais on peut quand même remarquer que l'homme que Mais on peut cependant remarquer que l'humanité connaît l'alcool depuis fort longtemps.